Changer tes dessous. Vous n'avez pas mis des irritations.
ça. Et dire que je te refusais à Peñarias pour 5 000 francs. Oh, vous avez tort, c'est une sacrée somme.
Et toi, une sacrée gourgandine. Combien d'hommes te sont passés sur le port? Je ne sais pas, je ne les ai pas comptés. Ah, tant que ça! Dans mon village, il y a le boucher, le fils du boucher, l'instituteur, le fils de l'instituteur, le maire et son fils. En somme, une véritable institution à toi toute seule. De père en fils. Et tu n'as aucun scrupule? Si, un seul. Lequel? Celui de ne pas les avoir fait payer. Dans ce cas, c'est ma vocation, si je m'attendais à celle-là. Alors, vous allez m'apprendre le métier? Oh, faut d'abord que j'en parle à ton oncle Marcel. Allez, file ta billet. Oh, merci, tantine. Je n'ai pas dit oui. Mais vous n'avez pas dit non. Tu le regretteras. Oh, pas si j'aime ça. Mais quelle époque! En voilà une qui a la jambe droite qui a pas dû souvent frôler la jambe gauche. Tiens. Ine! Je suis là, Leloup. Tu es seule? Et bien un merloc à la deux. C'est tout? Ah ben, de toute façon, je ne peux pas faire de miracle. Hein. Et tes lettres rentrent ce soir, Suzanne a 42 fièvres et j'attends toujours la nouvelle. Bah, qu'elle n'est pas de première jeunesse? Ah ben, selon Mireille, elle a déjà vécu. Oh, écoute, je connais Mireille, quand elle cause comme ça, faut s'attendre à la portugaise qui a déjà navigué. Ben, il faut mettre à le boulot, c'est déjà ça. Je suivrai ça de près, Vincent. Et toi, où étais-tu? Au QG de Campbell. J'avais des informations. C'est ça. Pas, Titine, nous ont suffisamment rebattu les oreilles qu'il fallait soulager notre conscience. Eh bien, va voir un prêtre, alors. En fait, Titine, si je vais causer à un prêtre, il me demandera de faire pénitence. Mais sa mère Locke, au moins, quand il en parle, il te récompense, voilà. Combien? Plus tard, Titine, quand ils auront vérifié mes informations, mais je peux te dire que c'est du lourd. Tu m'inquiètes. Ah, oh, mais non, Titine, tu sais bien. Mais tu sais bien que j'ai les pieds sur terre, hein. Je fais du 44. Et demi. Ah. Depuis que j'achète mes chaussures au marché noir, ils ont tellement rogné sur le cuir qu'ils m'ont fait perdre une demi-pointe sur les salons. Les profiteurs. Ah, si, si. Au moins, ils ont perdu la guerre, mais avec les Allemands, on manquait de rien. Bah, ils ont toujours été corrects. Bah oui, du savoir-vivre, de la discipline et du bon goût, voilà. Du champagne tous les soirs, toujours une petite attention pour les filles. Et pour toi, des fleurs et du chocolat suisse. Non, du belge. Ah oui, du belge. Mon préféré. Ah, ils n'ont pas fait du tort, ces gens-là. Dis-toi, Loulou, on ne traitait trop la bouffe. Ah bah, tu sais, Titine, les temps changent, allez. Mais je t'avoue franchement que je me fais douce violence quand je vais les dénoncer, ces sales boches, parce que ce sont des sales boches. Vous parliez de sales boches, Pertuis. Ah, ah, monsieur Bénériac. Mais pas tendre. Non, bah, et je suis français patriote, moi. Ah, bien sûr. Bien je ne vois d'ailleurs personne ici qui pourrait t'en douter. Ah, vous lisez dans mes pensées, madame Pertuis. C'est une lourde responsabilité que de faire un métier comme le vôtre. Hein. Vous faites naître chez vos clients autant de plaisir que de remords. Du remords? Songez à celui qui ronge notre homme au sortir de votre maison. Songez à ce qui se passe dans sa petite tête. Et que va-t-il faire en rentrant chez lui, l'homme à la petite tête, hein? Croyez-vous qu'il aura encore le courage de lever la main sur sa femme? Croyez-vous qu'il aura l'audace de lui chercher querelle? Non, non. Il risque même de se précipiter chez le fleuriste le plus proche afin de se faire pardonner. Se pardonner et se donner bonne conscience. Mon cher Pertuis, oui, vous êtes la seconde main des mariages. Le joker des Cupidons, c'est vous. Vous offrez une petite chaise, monsieur Villac? Rapidement alors, il faut que je me rende à la mairie. Augustine, serre-nous dessus, s'il te plaît. Ah, il n'y en a plus, tu m'en cherchais. Oui, s'il te plaît. Allez. Je ne voulais pas vous dire cela devant votre femme, la chose n'est pas encore officielle, mais il va falloir vous attendre à du changement. Quoi du changement? Avez-vous entendu parler de la veuve Marthe Richard? Non. Marthe Richard est une élue conseillère du 4e arrondissement, qui a proposé hier devant le conseil municipal de Paris un projet pour la fermeture des maisons closes. Ça c'est drôle, tiens. Qu'est-ce qui est drôle? De fermer les maisons closes. Oh, soyez sérieux. Dans son discours, elle s'en est prise au bordel, à la société et à la mafia. Elle a aussi insisté sur le fait que le milieu de la prostitution s'est compromis et concluant durant la guerre. Mais de quoi je me mêle? Oh, mais de toute façon, personne ne la suivra. Nous sommes une mine de renseignements pour la mondaine. Pas même les flics ne suivront. Non, détrompez-vous. Le conseil municipal dont je suis est amené à se prononcer sur le sujet dans les 6 jours, vers le 20 décembre, je crois. Si elle obtient la majorité... Attendez. Vous croyez que vous connaissez ma position? Oui. Les amis et moi voterons contre, mais je crains que cela ne suffise pas. La guerre a laissé des traces indélébiles, Pertuis. Vous savez l'ironie de la chose? Non. Marthe Richard était une prostituée. Non, si, la salope. Oui, aussi. Il va donc nous falloir attendre jusqu'au 20. Le discours, enfin, le vote se fera dans les faits, quoi qu'il en soit.
D'ici là, pas un mot à ma femme, je compte sur vous. Oh, vous pouvez compter sur moi, c'est possible. Votre fils on the rocks. Non merci, nature. Aïe. Et là... c'est une méchante crampe comme ça. Réminiscence de la guerre. Non. Un tennis samedi avec le préfet. Bon, il faut que je vous quitte. Et votre fils? Désolé, chère madame, mais des affaires urgentes. Mes hommages. Gertrude. Qu'est-ce qu'il a? Le bras long, en tout cas. C'est pas moi qui l'ai fait cuire? Non. Et toi, tu la veux, ta Suze? Oui, sers-moi un grand verre, s'il te plaît. De quoi parliez-vous? De rien. De rien, ça c'est justement ce qu'on dit quand on parle de choses très importantes. Continue, tu fatigues. Mais tu en fais bien, Vinicère. Et toi, arrête de faire tout un plat, je te dis rien. Oh, ça va, tiens. Merci. Mais c'est terrible cette manie que tu as de toujours... Oh, parce que je ne te connais pas, peut-être. Oh, continue, tu gonfles, hein. Je te dis rien. Y'a rien. De toute façon, il y aurait quelque chose quand je te le dirai pas. Mais là, en plus, y'a rien. D'accord, ne t'énerve pas, je change de sujet. Ouais. Faut que je te parle de Lisette. Quoi? Je crois qu'elle est sur la mauvaise pente. Hein. Elle fume? Non, je ne sais pas, enfin, la question n'est pas là. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé sa voie. Elle peut devenir bonne sœur? Non, elle peut me succéder. Ah, tu m'as fait peur. Mais elle peut travailler ici? Oui. Elle veut faire la pute? Oh, loulou! Quoi? Elle sait au moins qu'il y a des échelles de reconnaissance? Elle le sait, elle l'assume. Je crois même qu'elle est prête. Tu lui donnes l'échelle pour pas du chat. Mais non, pour sa mère, ça n'a rien à voir. C'était pas la même chose, en fait. C'est bien. Alors? Alors quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, écoute, elle est majeure, c'est son cul, c'est pas bien, elle en fait ce qu'elle veut, hein. Tu veux que je te dise, Titine? Quoi? Faire le tapin. M'étonnerait que ce soit un métier d'avenir. Dans un moment, tu vas vite te réchauffer, la, te réchauffer. Alors, c'est grand zoo, ma petite pucelle? Commence pas, Iris. Oh, ça va, je vais pas t'embrouiller la tête aujourd'hui. Tiens, je comptais te tonique dans 4 jours pour Noël. Qu'est-ce que c'est? C'est pour toi. Waouh, merci, Iris. Et celui-ci, faudra pas le faire. J'ai eu beaucoup de mal à l'avoir, c'est un cadeau d'un capitaine de gendarmerie. Mais garde-le, alors. Non, c'est la tradition. Je suis la plus ancienne ici et toi, tu es la dernière arrivée, alors voilà. Un capitaine de gendarmerie? Oui, madame. Dis-moi, c'est le pompon? Oui. Tu sais, à chaque fois qu'il venait me voir, il me demandait ce qu'il pouvait me rapporter pour me faire plaisir. Et à chaque fois que je lui demandais un bisou, il se contentait de m'embrasser sur le front comme ça. Et puis un jour, j'ai eu l'idée de lui demander un pendentif. T'aurais dû y penser avant. Oui, c'est bien. Oui, un pendentif, c'est quand même plus facile à dire parce que c'est écrit avec un S que si c'était écrit avec un S. Ah, oui. C'est bien. C'est vrai que tu m'as dit très intelligente, tu sais. On me l'a assez répété. Les parents me disaient tout le temps comme il a la tête vide et que même s'il se fermait un peu trop fort les yeux, je pourrais voir mon cerveau. Tu es loin d'être bête. Les gens qui ont du cœur ne sont pas idiots. Oh, merci pour le cadeau. C'est pour me faire pardonner de t'avoir cendré. Alors dis-moi, paraît que tu es une volontaire? Une volontaire? Ben oui. Et ici, c'est comme ça qu'on appelle celles qui ont la vocation. Ben, on t'a pas forcé. Il paraît même que tu l'as beaucoup poussé. Oh, beaucoup. Enfin, tout le village ne m'est quand même pas passé dessus. Oh, oui.
Je suis sûre d'une chose, c'est que si monsieur le curé était un homme de foi, ses enfants de cœur, eux, ne l'étaient pas. Oh, toi, t'es un sacré numéro, c'est... Vous avez déjeuné, les filles? Oui, madame. La nouvelle n'est pas encore arrivée? Non, pas encore, madame. Ça va, Lisette? Oui. Pas trop stressée? Non, je pense que ça ira, vous l'avez vu? Ton client? Non, c'est Marcel qui s'en est occupé. Ah oui? Ah, il voulait programmer ton premier boulot. Oh, il a dû choisir un sacré numéro parce que ça fait presque une semaine que j'attends. Oh, mais de quoi te plains-tu? Tu sais, on n'a pas tout eu droit à ce traitement de faveur, hein? Pourquoi tu as à te plaindre, toi? Non, madame, moi je disais ça juste histoire de causer comme ça. Eh bien, ici, ce n'est pas le dernier salon où on cause, hein? Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Je sais pas, on dirait de la naphtaline. Ah, mais non! C'est votre parfum, sur moi, il a déviré. C'est toi que je vais virer si tu ne vas pas te nettoyer tout de suite. On fait dans la boule de luxe ici, pas dans la coco fermière. Ah, bon sang, madame! Dépêche-toi. Ne mettez pas la pression, sinon je vais me transformer en coco minute, moi. C'est bon, de ma vue qui t'est frontée. Dis-moi. C'est parti, mes kiki! Quelle bergère. Oh, elle n'est pas méchante. Oh, je sais bien. Elle est même un peu simplette, hein. Mais elle a bon cœur, hein. Ah, ça. Bonjour, madame. Monsieur. J'avais rendez-vous. Ah, et avec qui? Je suis Julien. C'est monsieur Bertuit qui... Oui, bien. Justement, Lisette vous attendait. Lisette, ton rendez-vous est là. Monsieur? Oh, appelez-moi Julien. Pas pour Julien, moi c'est Lisette. C'est charmant. Enchanté. Julien. Oui, c'est un beau prénom. Ah, c'est oui. Je le dois à mes parents qui me l'ont donné. Voulez-vous que Lisette vous accompagne dans votre chambre? Oh oui. Non, cela ne vous dérange pas, s'il en reste un peu ici. Mais je vous en prie, faites connaissance, vous verrez plus tard. C'est cela, plus tard. Voulez-vous boire quelque chose? Plus tard, merci. Mais vous avez tout le temps, enfin vous avez une heure. Hein. Ça ira, merci. Je vous laisse alors. Merci. J'ai comme l'impression qu'il va te falloir un chausse-pied pour faire sortir l'escargot de sa coquille. Allez au boulot. Alors, Julien, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu permets que je te tutoie? Oui, bien sûr. Je suis fonctionnaire. Ah oui? Instituteur. Tu me sembles jeune, tu as fait la guerre? Non, je n'ai pas pu. Problème de cœur. Oh, je vois. Deux fois planqué. Pardon? Ah non, rien. Je pense à Maud. Et qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Avez-vous vu le dernier concours? Le dernier concours? Non. Je vous l'ai porté. Vous le rendrez plus tard, lorsque vous l'aurez terminé. Vous n'aimez peut-être pas lire. Si, mais je n'ai pas le temps de tout lire. Il a été attribué à Jean Dubois. C'est un roman qui s'intitule Mon village à l'heure à nous. C'est original, après 6 ans d'occupation. Justement, Pori est un ancien maquisard. Il manie la plume avec un tel réalisme qu'il a même reçu le soutien de Colette. Colette, vous connaissez? Oui, mais on ne doit pas parler de la même. Vous n'aimez pas la poésie? Oh, mais si, Julien, j'aime la poésie. Enfin, quelle femme n'aimerait pas la poésie? Bon, allez, on y va. Il est certains baisers qui sont des Césars et pour lesquels je ne veux plus rien connaître que la nuit. La nudité, la nuit, silencieuse et vaine, pour me retenir. Une minute encore, au bord de la joie. C'est bon, non? C'est de toi? J'aimerais bien, mais c'est de Colette. Écoute, Julien, tout ceci est très intéressant, mais il y a un compteur qui tourne. Allez. Alors, si tu veux jouer le maître d'école, d'accord. Mais on
va jouer différemment. Et pour 2000 francs, je peux même te dire qu'on peut jouer les retenues et les heures de colle. Écoutez, mademoiselle. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas à ton bout. Oh, si. Si, mademoiselle. Vous êtes charmante. Alors, qu'est-ce qui coince? C'est moi, mademoiselle. En fait, je n'aurais jamais dû venir. Je te le fais pas dire. Et un conseil, regarde la définition du mot bordel dans un des livres entrant sur la porte la prochaine fois. Lisette. Quoi? Vous voulez bien qu'il y ait une prochaine fois? Le bavardage, c'est pas mon truc. La littérature, encore moins. À moins que tu veuilles me parler du Kama Sutra. Du Kama Sutra, hein? Ah, ça c'est sûr. Tu trouveras pas ça à la bibliothèque. Alors, c'est d'accord? Et tu n'as pas intérêt à me faire perdre mon temps. Aujourd'hui, c'est cadeau. Non, non, non. Il faut pas quelque chose. Oh. Il est mignon. Tu vois, t'es à la bonne. Oh mon Dieu, la galère. Oh mon Dieu, la galère, la galère, la galère. Julien? Ah, ah, monsieur Pertuis, c'est horrible. Que se passe-t-il? Votre nièce? Non, c'est pas ma nièce. Mais vous avez dit que c'était tout comme. Bon, alors? Sans vouloir vous offenser? Oui. Elle est chaude comme une baraque à frites. Alors, qu'est-ce que tu racontes? C'est une vraie bombe. J'avais peur qu'elle m'explose entre les mains. Oh, n'exagère pas. Oh, oh, oh. Je vous assure, son livre de chevet, c'est le Kama Sutra. C'est tout dire. Moi, vous m'avez demandé d'être son premier client pour ne pas la traumatiser. Et c'est moi qui suis traumatisé. Et si ma fiancée apprend ça? Oui, ne t'inquiète pas, Julien, personne n'en saura rien. Tant mieux, parce que je n'aurais jamais dû accepter. Quoi? Les 2000 francs que je t'ai donnés, c'est pas assez, peut-être? Ah, mais où t'as vu ça? Un homme qui se fait payer pour donner du plaisir à une femme? Non, mais je rêve. Vous avez été très généreux. Je veux, mon Dieu. Ouais, écoute, Julia, si ça t'intéresse pas, tu prends tes clics, tes claques et tu rentres chez toi. Non, non, ne vous méprenez pas, monsieur Pertuis. Cette somme, c'est dans votre salaire. Je n'ai pas les moyens de m'en passer. Alors, fais ce que je te dis, saute-y dessus. Saute-y dessus? C'est une position du Kama Sutra? C'est pas possible d'avoir fait autant d'études pour être aussi cul, hein. Saute là, mais en douceur. Je tâcherai de faire mieux la prochaine fois. Ah non, 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 mon grand, avec des filles comme ça, il faut pas tâcher. Mais non, il faut foncer. Allez, les femmes, c'est comme la soupe, faut pas les faire froidir, voilà. Sacré tempérament, hein. Ben oui. Bon ben, je file. Ouais, fais donc ça. Dites-lui que je reviendrai demain matin. Je reviendrai demain matin, pour l'instant, je suis hésitant. Je reviendrai demain matin, soyez-en bien certains. Ah, monsieur Vidélac. Nous avons perdu. La guerre? La proposition de Marc Trichard est passée. Au nom de Dieu. Mais s'il y a encore un espoir pour vous, vous croyez? Après le vote du conseil municipal, nous étions tous invités chez le professeur Vermeil. Sa femme est une fervente admiratrice de Marc Trichard. Elle est Vermeil, à sa fête en victoire, elle avait voulu marquer le coup. Alors, buffet somptueux, mais orchestre de chambre somnolent, le tout Paris décadent et honorable. Bref, je vous pense le détail. Oui, s'il vous plaît, parce que j'ai du mal à vous suivre. Ah, j'y viens, j'y viens. Plus tard dans la soirée, on me présente quelques personnalités qui venaient de nous rejoindre, dont la veuve du colonel Plumer. Vous connaissez? Non, non. Ils sont idiotes, ils ne connaissaient pas moi-même. Oui, bon, eh ben. Là, j'apprends que la veuve Plumer cherche un établissement dans un décor particulier pour sa fille qui est atteinte de chlophobie. C'est quoi le chlo... L'oclophobie? Oui. C'est la peur de la foule. La peur des gens, vous comprenez? Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi? C'est là que j'ai eu cette idée lumineuse. Ah, car c'est une idée géniale. Je sais qu'au début, vous allez vous montrer réticent, mais lorsque vous aurez saisi toute l'ingéniosité de mon plan, vous ne pourrez que m'approuver. Vous êtes un maître du suspense, vous savez ménager vos effets. Hein. Justement, c'est ce qui différencie une maison de tolérance d'une maison respectable. Ah, les putes? Non, il y en a aussi dans les maisons respectables. Ils ne se font pas payer, voilà tout. Écoutez-moi, je suis plus que là, la histoire. La devanture, mon cher Pertuis, c'est la devanture. Tout n'est qu'apparence. Attendez, vous croyez que le moment est bien choisi pour refaire les façades? Oui, afin de transformer votre maison en un établissement respectable pour jeunes filles. Vous êtes sûr d'aller bien, vous? Ah, écoutez, en offrant à Plumer un établissement digne des ambitions qu'elle a pour sa fille, nous éviterons ainsi la dispersion de vos prostituées sur les trottoirs de Paris. Bon, écoutez, ça ne marchera jamais. Oh. Trottoir sur lequel vous risquez d'atterrir vous aussi, si vous n'y mettez pas de la bonne volonté. Vous et Madame Pertuis ne serons pas, je sais, de source sûre, que le préfet de police a décidé de fermer sans préavis toutes les maisons de la Seine des Domains. Si on ferme brutalement votre maison, où allez-vous loger?
Songez que votre femme n'est plus de première jeunesse. Hein. Donc, oui, priori. Quoi, l'or n'est plus au Salamalek. Il ne faut absolument pas des du temps. Encore que nous n'en ayons plus beaucoup. Pourquoi? Promettez-moi de ne pas vous fâcher. Béniaïac, qu'avez-vous encore manigancé dans mon dos? J'ai tellement été persuasif auprès des plumères que... Quelle sera l'envoi d'après-midi? Vous êtes fou! Écoutez, votre maison est la seule à ne pas être déclarée comme étant un bordel à Paris. Je vous fais en sorte de vous protéger. Vous n'allez pas baisser les bras maintenant. Enfin, mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi, à votre veuve? Alors, monsieur voudra entendre. Vous lui louerez les qualités de votre enseignement, par exemple. Lui vendrez mes lieux. Ce propos, il faudra peut-être quand même un peu épurer la décoration. Épurer? Non, mais vous plaisantez, on a tellement épuré qu'on sait même plus que c'est un bordel ici. Profitez, j'en parlerai, Titi. Nous, nous en parlerons d'un autre tour. Venez, donnez-moi les affaires, on s'en va. Allez, pourquoi où allons-nous? Au théâtre du Châtelet. Le concierge est un ami et nous avons besoin de nouvelles tenues. Au théâtre, mais pourquoi faire? Plus respectable, donnez-moi ça, vous êtes ridicule. Des tenues plus respectables, des tenues de théâtre plus respectables, mais c'est le monde à l'envers. Les temps changent, Pertuis, et nous n'y pouvons rien. Attendez, c'est bien beau tout ça, mais. Qu'est-ce que vous avez à gagner dans cette histoire? Ça vous paraîtra difficile à croire, mais. Je n'arrive pas à imaginer un Paris sans lanterne rouge. Vous imaginez toutes ces filles dans les rues, le jour où... Non. Non. Quelle panique. Des milliers de filles livrées elles-mêmes sur les trottoirs. Non. Non, ça risque de faire un sacré bordel. Ouais, comme vous dites. Bon, on y va, vous avez raison. Je vous suis. Qu'est-ce qu'il croyait, cet imbécile? C'est un lupanard ici, hein. On n'est pas chez la marquise de Sévigné. Bonjour. Excusez-moi, retard. Il y avait une panique pour venir jusqu'ici. Il y avait un collabo qui s'est fait choper dans le tramway, je vous raconte pas. Et vous êtes? Bah, je suis Laurette. Je viens pour la nouvelle classe. Ah, c'est toi la nouvelle? Eh oui, ben Lisette. Laurette. Tu connais madame? Ah non, c'est la première fois que... Je suis une provinciale de Bagnères de Bigorre. Je connais pas. Ah, c'est normal. C'est un trou perdu. Mais là-bas, je t'ai connu comme le loup blanc. C'est bien simple. Il y avait deux choses à voir à Bagnères de Bigorre. La vieille église en ruine et moi. Un vrai pèlerinage. Une mignonne avec de l'esprit. Qu'est-ce que tu fais ici, mon ange? Augustine Pertuis et ma tante. Enfin, c'est tout quoi. Ah, d'accord. Et toi, pourquoi tu as quitté ton village? Les tenanciers ont fermé la baraque. On avait trop fricoté avec les Allemands. C'est pas notre faute, il y avait plus que ça en France. Je suis partie me réfugier à Bordeaux avant qu'on me rase gratis. De là, on m'a dit qu'il y avait un boulot ici. J'ai sauté sur l'occasion. Paris, c'est quand même autre chose. Ah, Paris, la vie brille. On est autorisé à sortir. Ah oui, quartier libre, une fois par mois. J'espère que tu me feras connaître la capitale. Bah bien sûr, qu'est-ce que tu aimes? La musique! Je suis une grande mélomane! Je me suis tapé toute la fanfare municipale! Je t'admire, je crois qu'on va devenir bonne copine! Elle dit qu'il n'y avait pas un petit coin pour aller. Oui, suis-moi. Sinon, le taulier, il saute pas trop sur tout ce qui bouge. Ah non, de ce côté-là, il n'y a aucun souci à se faire. Il est castré? Mais non, il est fidèle. Tantine! Oui? Il y a la nouvelle qui vient d'arriver! J'arrive! Suis-moi. Si j'en crois Béniriac, c'est bien cette maison. S'il vous plaît, s'il vous plaît, il y a quelqu'un? Une minute, j'arrive. Béniriac m'avait dit que c'était assez centré, c'est vrai. J'arrive. Madame? Mademoiselle? Vous attendez quelqu'un? La directrice. Oh, en fait, nous n'avions rendez-vous que cet après-midi, mais un empêchement m'oblige à devancer notre entrevue. Alors, j'espère que votre directrice ne m'en tiendra pas rigueur. Oh oui, car vous-même, vous êtes pensionnaire, n'est-ce pas? Oui. Et vous sembliez d'humeur joyeuse. C'est bon signe. Ah bon? Et pourquoi? Pour suivre vos cours. Les cours? Oui. Mademoiselle, puis-je me permettre de vous poser quelques questions? Oui, je vous en prie. Comment trouvez-vous le corps? Le corps? Le corps enseignant.
Ah, le corps de l'enseignant. Oui, enfin, que vous apprend-on? Avez-vous un bon niveau en français? Tiens, quel est le dernier ouvrage que l'on vous ait demandé de lire? Le dernier prix Goncourt. Monsieur Bourri est un héros de la résistance et mon village à l'heure allemande est un véritable chef-d'œuvre. Jack, parlez-moi des effectifs. Nous sommes quatre, enfin cinq, avec l'arrivée de... d'une nouvelle. Voilà. Et sans indiscrétion, n'y voyez là aucune malice, car ma propre fille souffre de chlophobie. Vous, quel est votre symptôme? Quoi? Ne vous inquiétez pas, Pénériac m'a mise au courant. Je sais que cet établissement est réservé à l'élite et que les cours et les soins qui y sont dispensés le sont dans la plus grande discrétion. Alors, mais quoi? Votre symptôme? Parfois, j'ai l'impression que les gens tiennent des propos incohérents. Enfin, je comprends pas tout ce qu'on dit, hein. Oh, ma pauvre enfant. Comme ce doit être handicapant. Ah, ben, je vous laisse avec la directrice. Oh, la directrice, c'est un peu bon peu pour un établissement comme le nôtre. Monsieur Pénériac ne tarit pourtant pas d'éloges à votre sujet. Je vous laisse. Oui, merci. C'était très instructif. Vous avez fait bon voyage? Oui, mais enfin, je ne vais pas bien loin. Bah, tout de même, comment vous appelez-vous? Mathilde Pumère. En fait, nous n'avions rendez-vous que cet après-midi. Oui, je sais, vous êtes en retard. Ah bon? Mais pourtant, nous devions nous voir que cet après-midi. Ah, ce n'est pas ce que Mireille m'a dit. Mireille? Mireille est de Bordeaux. De Bordeaux? Oui, nous nous appelons toutes par nos prénoms aussi, ça simplifie les choses. Si vous le dites. Dites-moi, vous avez l'air plutôt à l'aise. Pourquoi voulez-vous la place? Ah oui, Pénériac m'a dit que vous ne prenez que l'élite et les filles fortunées. Ça fait Pénériac. Il a trouvé le moyen de faire de cours. Vous savez parler d'autres langues? Est-ce si important? Dis-moi, Mathilde, faut être réglo ici. Quand on te pose une question, il faut y répondre. Alors, les langues. L'anglais? Ça, c'est bien. Là, tu marques un point. Depuis la libération, nous n'en manquons pas. Oh, et quelques mots d'italien. Oui, mon mari et moi avions séjourné quelques mois à Salerne. Comment tu es mariée? Veuve. Mes condoléances. Oh, il y a bien longtemps. Mes condoléances attardées d'un colonel. Oh, quel changement de cap. Ah oui, c'était difficile. Bah, je vais bien le croire, on arrivait là. Je peux vous demander quelque chose? Ça, je t'en prie. Pourquoi me tutoyez-vous? C'est l'usage, vous formez toute une grande famille ici, ça te dérange? Non. Disons que lorsqu'on n'est pas habitué, c'est un peu déroutant. Toi, tu as dû fréquenter les beaux salons, ça se voit tout de suite, et moi qui pensais trouver une poule de province. Par contre, je reste intransigeante sur le salaire, c'est 1500 francs, nourri, logé. C'est raisonnable! C'est même plus que raisonnable, 1500 francs, si ça te convient. Oh, un petit cadeau de bienvenue. Mais ce sera parfait. Bien, je ne veux pas abuser de votre temps, je repasserai. Comment, tu t'en vas? Oui, je repasserai. Mais quand? Quand? Je ne sais pas, disons... Demain pour le thé? Pour le thé? Et je te porte des petits fours. Oh mon Dieu, vous n'avez pas vu l'heure. Il faut que j'y aille pour chauffer ma tante. Alors, à demain, Augustine. Vous voyez, j'ai déjà fait un premier pas. Et qu'est-ce que c'est cette folle qui me donne ça? Lisette, qui est cette femme? Et vous, qui êtes-vous? Laurette Aquin. Tu as la nouvelle? La nouvelle? Eh oui, c'est Mireille qui m'envoie. Pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Ben pour ta dîner. Ça alors. Tantine, ça va? Oui. Mais je voudrais quand même bien savoir avec qui je viens de parler.
l'action. Au sujet de quoi? Oh, cesse de me prendre pour une imbécile, vous. Je sais que tu manigances quelque chose avec Pénériac. Mais non, que tu fais des idées. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est que toutes ces robes que vous avez cachées dans la remise hier au soir, hein? Et cette femme que j'ai prise pour la nouvelle? Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle voulait? La veuve Pinère. Ah, tu sais son nom, tu la connais. Mais non! Tu la connais! Écoute, c'est une amie de Pénériac. Pourquoi est-elle venue ici? Écoute, Pétine, c'est bon, je vais te dire la vérité. Ah, tu me trompes! Mais non, femme! Tu me trompes avec cette femme, c'est ça? Mais comment as-tu imaginé, Titi? Elle ose venir dans notre maison, dans notre maison! Mais enfin, Titi, arrête de faire des films, laisse-moi parler! Arrête! Jamais, tu vas encore m'embrouiller. Remarque, j'aurais dû m'en douter. Avec notre différence d'âge, il fallait bien que ça arrive. Quoi? Eh bien, que tu me trompes, mais je suis quand même surprise que tu n'aies pas choisi une maîtresse plus jeune. Enfin, Titi, écoute! Oh, c'est ma pauvre mère que j'aurais dû écouter, tiens! C'est le vice à mener ces terres actes bourgeoises jusque chez nous. Tu aurais pu aller faire tes cochonneries ailleurs que dans notre maison. Bon, écoute, Titi, tu me proposes à m'emmerder, hein? Bon, tu veux jouer à la maison, d'accord. Moi, je vais faire la porte et toi, tu la fermes. Tu la fermes, voilà. Arrête de parler comme ça. Et toi, arrête de parler tout court. Tu parles sans rien dire. Louise vient de faire fermer tous les bordels du département de la Seine. Voilà. Louise, le préfet de police? Oui. On va aller sur la nombre de fois la faire sortir du chabanet. Bah oui, je sais, petite Titi, ça va être brutal. Mais grâce à Pénériac, on va avoir encore un peu de temps pour en venir, voilà. Alors c'est vrai? Quoi? Tu ne me trompais pas avec cette femme? Mais non, Titi, bien sûr que non. Plumère n'est qu'une façade qui doit renforcer notre honorabilité. Oh, ça, ce n'est pas de toi, c'est du Pénériac. Quoi, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je ne sais pas causer comme il faut, moi? Oh, je ne sais pas me serrer ma langue, peut-être? Je sais que tu étais dans le écoute, si on arrive à convaincre la veuve, on se trouvera pas dehors comme des maltrops, voilà. Mais que veut-elle, cette femme? Elle inscrire sa fille atteinte d'oclophobie dans votre établissement spécialisé pour jeunes filles. Pénériac, vous écoutez aux portes. Elles étaient ouvertes et vous parliez suffisamment fort pour qu'on vous entende, madame. Bonjour, ma fille. Pénériac, mes amis, notre plan va fonctionner. Augustine, vous avez fait forte impression auprès de la veuve hier. Elle m'a téléphoné dans l'après-midi, elle était ravie. Vous parlez d'une impression. Enfin, elle est enchantée de votre entretien. Et elle ne jure que par vous. Paraît que vous l'avez tutoyée. Ben, je l'ai prise pour une pute, j'aime pas mettre dedans. Non, je vous ai augmenté les vôtres. Il faut transformer vos filles le temps de vous installer ailleurs. Ah, je comprends à présent ce que font les robes dans la remise. Mais en quoi voulez-vous les transformer? Enfin, Titi, t'as toujours pas compris. On est censé tenir un établissement respectable pour jeunes filles de bonne famille. Les jeunes filles de bonne famille malades. Oui. Ce qui implique deux choses. Premièrement, qu'il n'y ait que très peu d'élèves. Et deuxièmement, que l'existence de cet établissement soit tenue secret. Oui, mais c'est quoi l'oclo? L'oclophobie? Alors c'est la peur de la foule. À ne pas confondre avec l'agoraphobie et la claustrophobie. Tu m'impressionnes. Ah, il va falloir que je suis impressionnant. Je vois surtout que vous avez bien appris votre leçon. Car madame, si le rôle de la directrice s'offre à vous avec une totale évidence, votre mari devra jouer le rôle du docteur assurant le suivi médical des fonctionnaires. Et où allons-nous les trouver, les fonctionnaires, monsieur Pénériac? Nous sommes en période de vacances scolaires, madame. Oui. C'est Noël. Problème après l'autre. Oui. Disons que la fille de Plumère bénéficiera d'horaires aménagés afin de ne rencontrer personne du fait de sa maladie. Donc, nul ne s'étonnera qu'elle puisse être seule ici. Voilà, ça c'est un plan qui est bien pensé. Ah, merci. Et pour les professeurs? C'est le seul point noir. Plumère souhaite les rencontrer et n'y transigera pas. De facto, nous avons très peu de temps pour... Pour transformer les filles. Métamorphoser serait plus exact. Bon, écoutez, je vais passer ma blouse et je vais chercher les filles. Ne t'inquiète pas, Titine, on a pensé à nous. Venez, madame, j'ai besoin de vous à la remise. De moi, mais... Madame, le rayon chiffon n'est pas tout à fait mon domaine. J'ai besoin de votre précieux ami. Venez. Je ne vous savais pas faire stratège, monsieur Pénériac. Madame, je suis un fonctionnaire. Je suis donc obligé de plaire. C'est une question de survie. Je serais quand même curieuse de savoir ce que vous avez à gagner en vous aidant. Oh, madame, très peu de choses. Mais encore. La petite sirène? Je vous la donne, sans hésiter. Ah oui? En fait, de petite sirène, c'est une morue qui s'ignorait. Oh, je crois tout de même. Je ferai attention aux arêtes. Incorrigible, le premier gars. Allez, suivez-moi les filles, asseyez-vous, il faut que je vous cause. Mais ça ne va pas, monsieur Martel. Mais qu'est-ce que ça ne va pas? Non! Mais ça ne va pas du tout? Non! Oh, arrêtez de poser des questions idiotes, les filles! On vous écoute, monsieur Marcel! Oui, écoutez, les filles, vous savez que je ne suis pas un grand causeur, je ne vais pas tourner autour du pot pendant 100 mètres. Hein. Bon, voilà. Il y a une loi qui vient de passer,
et qui va nous obliger à fermer les maisons. Et je sais, ça va être brutal, ça va être violent. Il y a déjà beaucoup de filles qui se retrouvent sur les trottoirs de Paris. Nous, on peut voir venir, et pour ça, il va falloir que vous jouiez un rôle comme au théâtre. Un rôle de quoi? Alors justement, il faut convaincre la veuve Plumet. Ah, c'est la femme dont je vous ai parlé hier. Oui, ça va, Lisette. Oh, pardon, tonton. C'est pour vous. Donc il faut la convaincre que vous êtes des sortes d'enseignantes. Des enseignantes en quoi? Ça c'est sûr. Mais on va vous faire une spécialité. Oh, en fonction de vos possibilités, surtout parce que... Oui, mais le problème, c'est qu'elle m'a vu hier et qu'elle m'a prise pour une de vos élèves. Et que ce ne sera pas un problème parce que dans un instant, on va vous métamorphoser. Voilà. Ah, alors moi, je veux bien faire le professeur de français parce que je pense que je suis la seule à pouvoir endosser le rôle. Oh, mais regarde là, l'autre, elle se sent plus. Mais moi aussi, je veux avoir une spécialité, tu sais. Ah oui, c'est quoi? Ben, c'est pas la brette russe, par exemple. Les filles, vous prenez ça un peu trop à la légère. On vous dit que c'est une question de survie. On voit bien que vous ne connaissez pas la rue. Moi, monsieur Marcel, je veux bien être prof de musique ou de chant. Quoi, tu sais chanter, toi? C'est surtout jouer de la trompette. Oh, allez, c'est fini, oui. Je vais pas attendre pour vous dire, moi. Je vais vous dire un grand coup de pied dans le pied, vous allez voir, hein. Ça suffit maintenant, c'est de toi, hein. Attention. Bon, tu sais chanter, toi? Ah, je faisais partie de la chorale de nos gens, et t'en bosse. Bon, allez, on t'écoute. Comment, là? A cappella? À ce que tu veux. Bah, je vais essayer, hein. Je crois que ça faisait... Voilà le pont, ça n'est plus long. Tu viens, chérie, je vais te faire voir ces lieux à Paris sous le tunnel de Saint-Lazare. Tu viens, chérie, oh, le tu viens, continue sur un lion, mais comme tu le souhaites. Mais tu montes avant la galoupe. Tu viens, chérie, je vais te faire voir l'amour de l'amour. Thank you.
dire, c'est moi qui te le dis. Pourquoi d'autre? Ben, ça m'a toujours suffi jusqu'à aujourd'hui. Tu m'étonnes. On ne doit pas te choisir pour ta conversation à toi. Hein? Hein? Oh, mon Dieu. Bon, attends. Le corps humain, tu connais. Oh, ça, oui. Ouais. Ça n'a pas de secret pour toi. Eh ben alors, tu seras le professeur de biologie. Oh, ça, c'est une chouette idée. Eh ben voilà. Oui, voilà. Attends. Montre-moi quand même le tibia, l'humérus ou le cubitus, on sait jamais. Je serais bien embêtée de vous montrer mon bitus, mais si vous voulez, je peux vous montrer mon... Oh, ça suffit, hein. Ça suffit. Non, mais ça suffit, elle va partir, hein. Bon, on va revenir à l'anglais, parce qu'avec mon Yves, on va pouvoir sauver les appareils. Assieds-toi, je vais rapporter quelques phrases. Bah, vous savez causer l'anglais, vous? Oui. Il y a quelque temps, il y avait une anglaise qui avait laissé un disque à Titine pour apprendre à causer l'huile, une méthode à 6 000. Oh, ben ça, il se pousse pas du coude. Une méthode à 6 000 francs, tout de même, t'as des cerveaux. Non, mais t'es bouché, quoi. À 6 000, c'est le nom de la méthode. Ah, la crise. Ah, mais des fois, c'est à se taper la tête contre les murs tellement stupide, alors. Et encore, si ça sonne creux, ça veut pas dire que ce soit le mur qui soit vide, hein. Repeat after me. Alors, my failure is rich. Me too. No, c'est pas me. C'est pas me qui veut dire, c'est my. My failure is rich. My tailor is rich. Mon tailleur est riche. Mon tailleur est riche. Non mais, t'es une idiote ou t'as suivi les cours du soir? C'est pas la peine de le répéter en français. Mais non. Répète encore after me. My doctor is poor. Oui. Non, c'est pas me, je te l'ai déjà dit, fais un effort, c'est my doctor is poor, pas me doctor, ça veut rien dire, me docteur. Non, mais le is, ça arrive bien. Oui, ça. C'est pas le problème, le is. Mais c'est le my, c'est difficile pour moi. On s'en fiche, my doctor is poor. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mon docteur est pauvre. Oh, mais ça marchera jamais, votre truc. Mais pourquoi? Ben, vous avez déjà vu un docteur pauvre et un tailleur riche. Oh! Mais de quoi je me mêle? On te demande pas d'être une intelligente. Bon, répète encore un permis. Your flowers are beautiful. Your flowers are beautiful. Ah, beautiful. Voilà, alors, ça c'est bien. Ça c'est bien. Bon, écoute, tu sais quoi? Je vais te passer le disque. Tu vas apprendre quelques expressions histoire d'emboucaner la vieille, d'accord? On s'en prend les apparences. Allez, répète encore une dernière phrase after me. This dog is very big. This dog! Non, c'est toi la dog! C'est toi la dog! C'est this dog, dog, pas dog! Ça suffit, bien effort maintenant, hein? Si vous m'appreniez l'allemand, je serais peut-être plus doué, ça. C'est ça, pour qu'on se fasse tous fusillés. C'est la démocratie des gens, hein? Allez, let's go! Oh yes! Yes! Je vais pas attendre ton fusil, quoi. Je t'aurais massacré avant. Dépêche-toi, elle va partir. Les filles, venez peut-être à l'étage. Non, je vous laisse, il faut que je me sauve. Tâchez de faire vite. Elle m'a dit qu'elle viendrait pour l'heure du thé, j'ai encore un peu de temps. Avec Plumer, sait-on jamais. Vous risquez d'avoir des surprises, hein. Pour le disque, la face A.
A est terminée, tu mets la face B. Hein? La humiliation, c'est tellement bête qu'elle est capable de faire de mettre deux fois la même face. Bonjour, monsieur. Madame. Je suis Mathilde. Mathilde. Ah, excusez-moi, j'avais cru comprendre qu'il fallait s'appeler par son prénom. Mathilde Plumet. Au nom de Dieu. Oui, je sais. Je sais que mon rendez-vous avec la directrice n'était qu'à 16h, mais je dois être à Versailles à 17h. Alors, j'espère qu'Augustine pourra quand même me recevoir. Monsieur. Marcel, je suis le veto. J'ai ignoré qu'il y avait une section équitation. Oui. Vous occupez des chevaux? Oui, voilà, je m'occupe des chevaux. Oui, enfin, c'est vous les soignez. Oui, voilà, on va dire ça comme ça, je soigne les chevaux. Bon, écoutez, je vais aller vous chercher, la directrice. Si, c'est vous. Asseyez-vous, je vous en prie. Ou plutôt non, passez au fond du couloir, s'il vous plaît. Voilà. Au fond du couloir, attention, il fait très sombre. Tout au fond. Oui, tout au fond. Merci. On viendra vous chercher. Iris, Iris, dépêche-toi, la vieille est là. Iris, mais allez, ferme ta gueule, dépêche-toi, Iris. Mademoiselle Lisette d'Agnonville, notre professeure de français. Oui, madame. C'est étrange.
visage me dit quelque chose. Bah oui. Oui, oui, vous. Vous ressemblez très pour très à l'une de vos pensionnaires. Ah, c'est ma fille. Ah. Oh, oh oui, oui, j'y suis. La petite qui ne comprend pas tout ce qu'on lui dit, n'est-ce pas? D'où sa mère? Et voilà notre professeur d'anglais, mademoiselle Lisette. Non, c'est mademoiselle Laurette de Bagnères et de Bigorre, notre professeur de musique. De Bagnères de Bigorre. Aristocrate? Non, moi c'est le piano. Ah, enfin, ce n'est pas incompatible. Ses ancêtres ont été décapités durant la Révolution. La famille a toujours vécu dans le traumatisme. Oh, je vois. Et votre préférence? Mozart, Berlioz, Schubert? Le dernier? Schubert. La truite? Plutôt la morue. Et voici notre... mademoiselle, notre professeur d'anglais, je m'embrouille, mademoiselle Iris. Iris Kofi. Iris Kofi. Iris Kofi. Mademoiselle. Madame. Ça fait longtemps que vous êtes à Paris. Oh. Lift la Riz. Not the man que son docteur, because Simon, it's improbably. I'm too, I love it. Mademoiselle Kofi a radicalement renversé les méthodes d'apprentissage de l'anglais en mélangeant les deux langues. Yes, yes, c'est du franglais. Je n'avais jamais entendu parler de cela auparavant. Ce qui prouve que nous sommes à la pointe de l'enseignement. Et je n'en avais jamais douté, ma chère Augustine. Et j'espère que vous pourrez compter ma fille Florence comme pensionnaire supplémentaire. Nous l'accueillerons avec plaisir. Bien. Nous reparlerons des modalités d'inscription à mon retour de Versailles. Oh, je tâcherai de venir avec Florence et avec une amie. Oui. Ben elle aussi. Conseillère dans le 5e arrondissement de Paris. J'aimerais vraiment que vous la rencontriez afin qu'elle sache qu'il existe encore des maisons à la moralité irréprochable. Oui. Marthe est tellement jubilée par la fermeture des maisons closes. Marthe! Oui, Marthe Richard. Marthe Richard! Ah, vous la connaissez. Elle fait beaucoup parler d'elle. Bien, je file ou je vais finir par être en retard. Oh, oh, régalez-vous avec les petits fours. Ils sortent tout droit de chez Pochon. Oh, oh, ce bouquet. Oh, merci, mais... ce n'était pas la peine. Le bouquet, ah oui. Oh, notez, je préfère les faire à la petite serviette. Docteur, oui. Une dernière chose. Je veux que ma fille, malgré sa phobie, reçoive la meilleure éducation, mais je compte sur vous pour qu'elle s'épanouisse dans la joie. Oh, ne vous inquiétez pas, madame, pour en faire une fille de joie, on en fera une fille de joie. Oh, merci, docteur. Bon, ben, je file. Pour en faire une fille de joie. Enfin, tu me la recoupiras celle-là, tiens. Ah, mais moi, je trouve qu'on s'est plutôt bien débrouillé. Oh. Avouez qu'on a été toutes très crédibles. Very credible. Very credible, plus ou moins, oui. Au fait, qui y a fait dans le salon rouge? Un imbécile nu comme un verre qui aurait pu tout faire capoter. Julien! Julien, c'est bon, tu peux sortir. Julien? Oui. Soulez-moi, désolé, monsieur. C'est une longue histoire. Mais qui n'intéresse personne. Mais oh, hé, tu vas remettre ton pantalon, tu crois où? Dans un... Mais bon, ça va, on va pas y passer les deux non plus, hein. Alors, tu es revenu pour moi? Oui, mademoiselle Lisette. Et sans livre? Non, mais à la place, je vous apporter un bouquet. Un bouquet? Oui, de fleurs. Je vous ai laissé un mot, mais ne le lisez pas maintenant. Hein? J'aurais trop honte. Mais le bouquet? Le bouquet? Qu'est-ce qu'il y avait dans le bouquet? Un mot. Un mot? Enfin, des mots. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces mots? Qu'est-ce qu'il y avait? Ça disait, madame, je brûle d'impatience de vous faire l'amour. Je brûle d'impatience. J'ai tué. Venez me rejoindre dans le salon rouge. Venez me rejoindre dans le salon rouge. J'ai tué. C'est pas... Ne me faites pas attendre. Allez, merde. Je vais le tuer. Je vais le tuer, petit con. Je vais le tuer. Ah oui, je suis vraiment désolée, je ne pensais pas que... Oh, dès que Mathilde va dire le mot, elle comprendra ton séjour et d'elle. Bien sûr. Elle va le dire à ma fille,
cherche et son ami, nous allons nous trouver sur le trottoir. À mon âge, vers le trottoir. T'inquiète pas, Titi. Je connais le président des aveugles de l'Association d'Île-de-France. Prends toujours du travail. Ah oh, ben si tu prends, tu auras plus. Ah ben tu travailles en braille. Écoutez, je puisse faire pour réparer cette bêtise. Vous n'avez qu'un mot à dire et j'obéirai. Ben c'est trop tard. Sans condition. C'est trop tard. Il y a bien quelque chose que je puisse faire. Augustine! Vite, attache! Nom de chien plumet! Augustine! Mathilde, Oh, Augustine, Mathilde! Quelle étourdie je vais! Je viens de m'apercevoir que j'avais oublié mon renard. Oh, ce n'est pas pour le prix, mais il a une valeur sentimentale. Tu comprends? Mais bien sûr, nous allons le chercher. Mais bien, non, ce n'est pas la peine. Je sais où je l'ai oublié, hein? Que batifoler sans l'amour n'est rien.
Et qu'importe le droit à la vie si les hommes font de nous des putains de sirènes. Jusqu'au petit jour, gagnant en majuscule ce que nous avons dû dans le lit faire en majesté, vous nous regardez en baissant les yeux, baisez nos mains, et continuez de nous appeler Madame. Sur cette scène du théâtre Molière. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité.